Même si le Rhône est redescendu en alerte de niveau 1 cet après-midi, l'épisode de pollution se poursuit. Les TCL resteront donc encore gratuits demain, mais seulement aux heures de pointe, de 7h à 9h et de 16h30 à 19h. Ça me permet de laisser la voiture au garage et d'économiser mon argent et l'essence. La voiture reste tranquille à la maison en bagarrée et c'est gratuit, donc ça ne coûte rien et on veut aller où on veut. C'est le top. Le Citral, de son côté, n'a pas constaté de ruée sur les transports en commun gratuits ce week-end. Le trafic aurait seulement augmenté de 5%. Dans les 5%, il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que, notamment, là, on a constaté des accroissements le dimanche après-midi entre, effectivement, Hôtel de Ville et Perrache. Ça signifie que ce n'était pas les questions de la pollution. C'est-à-dire qu'il y avait un effet d'aubaine pour, justement, faire en sorte qu'on puisse aller peut-être à Confluence ou peut-être aller ailleurs dans des conditions de transport gratuites. Côté ciel, Météo France prévoit toujours du soleil cette semaine et pas de pluie avant le week-end prochain. La situation risque donc de ne pas s'arranger d'ici là. En revanche, la préfecture n'envisage pas pour le moment d'imposer la circulation alternée à Lyon.